crois que là, on doit être en direct. Je vais laisser le temps que nos amis, nos différents candidats, nos différents camarades étudiants puissent partager le live. Bonsoir, Will. Bien le bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Allez, vous connaissez la chanson dans différents directs. On partage. On partage, on partage, on partage. C'est devenu. D'ailleurs, je crois que ce serait bien de le mettre. Oui, on partage, on like, on commente. Mais pour l'instant, la priorité, c'est au niveau des partages. Ah, merci déjà pour le like. Merci. Merci, merci. Apparemment, il est très ponctuel. 16 commentaires, 16. On peut pas faire mieux, hein. Bonsoir, bonsoir. Hello. On partage, on like. Donc, dès qu'on, voilà, les amis, même si on vient d'arriver, on like. Le live a commencé depuis 16 heures. Pour l'instant, voilà, on attend que les gens se connectent. Surtout nos amis, nos frères candidats à la procédure Campus France. Bonsoir Josué, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, on like, on partage. Et on va peu, on va, we will start. Sous peu, nous allons débuter. Ok, on va commencer à 16h10. Voilà, ça va faire quelque chose d'exact. Quelque chose d'exact. Bonsoir Lynn, bonsoir Lynn. Bonsoir Lynn Vaktaba, bonsoir. Bonsoir à tous ceux-là
qui nous regardent en direct sur la page Facebook Tudeli Cameroun. Bonsoir à vous. Quel que soit l'endroit du monde où vous nous regardez. Comme vous le constatez, je ne suis pas seul. Mais bon, promis, à 16h10, je vais donner la parole à Dorian. For now, the most important thing is to share. Pour l'instant, le plus important, c'est de partager et de nous laisser un petit bonsoir en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Dans les groupes, sur Telegram, sur WhatsApp. Voilà, on essaie de se faire ça bien. Ok, plus que 3 minutes. Partagez dans vos groupes, dans les différents groupes, des groupes Campus France ou des différents pays, de ceux-là qui sont généralement concernés par cette procédure. Merci de liker, merci de liker le live, de le partager pour que, voilà, il puisse avoir de maximum de personnes pour assister à ce live qui concerne la procédure Campus France. Étant des étudiants déjà sur les territoires français et ayant traversé ces différentes étapes, les différentes étapes de la procédure Campus France, ce live aura pour but, voilà, d'apporter des éclaircissements ou bien des éléments de réponse suite à différentes difficultés que cela rencontre généralement pour le début et voire même le milieu de la procédure Campus France. Ok. Restez connectés, on partage et on vous dira tout sur cette procédure Campus France. Bien sûr, la genèse de voilà, c'est quoi la procédure Campus France, pourquoi la procédure Campus France, quel est son intérêt. Vraiment, voilà, on reste connecté et on va répondre à ces différentes préoccupations. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Voilà, on va prendre un malin plaisir à répondre. On like, on envoie des cœurs, on like le live et on partage. Allez, dans 1 minute, on va pas dire dans 1 minute, on parle, parce que si c'est pas, ça va. Dans 1 minute, on peut commencer, on va commencer le live. Ça fait. Ça fait. Oui, j'aime voir des cœurs. J'aime voir des cœurs. J'aime voir des cœurs. Ok, les amis, on partage dans nos différents groupes. Dans nos différents groupes WhatsApp, Telegram, Facebook. Voilà, on n'hésite pas. Pardon? On n'hésite pas. Alors, n'hésite pas à taguer des amis qui veulent faire la procédure. Voilà, des amis qui voulaient des informations, des amis. Voilà, qui se demande comment on va. Voilà. Je reçois j'ai un message d'Alain. Qui nous dit merci pour ce live afin d'édifier davantage sur la procédure Campus France. Voilà. Merci, 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 merci Alain. Merci Alain. Et bonsoir aussi.
OK, we can start. On va commencer. Bonjour encore ou bonjour, bonsoir, ça dépend dans quelle partie du monde vous regardez ce live. À tous ceux-là qui sont présents pour assister à ce live sur la procédure Campus France. Ce live a pour but de vous apporter, comme je disais, des éléments de réponse pour la bonne compréhension et pour la réussite de votre procédure Campus France. Ce live est réalisé par des étudiants qui sont passés par la procédure Campus France et qui vont sûrement partager avec vous leurs expériences et apporter des éléments de réponse pour votre réussite. Allez, je me présente pour que ça se fasse comme j'aurais dû le faire dès le début. Je m'appelle Dany Nyoma, de prénom Dany, de nom Nyoma, et je suis étudiant en troisième année de thèse de doctorat en filière physique, plus précisément dans le nanomagnétisme et la spintronique à l'Université de Lorraine à Nancy, dans le laboratoire de l'Institut Jean Lamour. Bon, mon domaine de recherche, c'est pas, voilà, peut-être, c'est pas trop intéressant comme ce live, mais voilà, je suis originaire du Cameroun et j'ai fait ma procédure Campus France il y a 2 ou 3 ans et voilà, je réalise mon rêve, mon projet d'études, d'avoir mon doctorat et j'espère pouvoir réaliser mon projet professionnel. Ok, ça c'est pour moi. Bon, je suis aussi membre d'une chaîne YouTube qu'on appelle Loin du pays. Voilà pour moi, je crois que c'est suffisant pour la présentation. Je passe la parole pour la première fois à Dorian. Bonjour Dorian. Ok, bonjour Dany et merci beaucoup pour la parole. Donc moi aussi je vais me présenter de manière conventionnelle comme toi. Je suis donc Jacob Dorion Bumba et Bumba de nom. Je suis aussi étudiant à l'Université de Lorraine en master 2 de génie civil, orientation BIM, ingénierie des structures de bâtiments. Moi, j'ai fait ma procédure par contre Campus France il y a une année de cela et je suis arrivé ici l'année dernière pour commencer mon master en génie civil. Et je suis congolais d'origine et je suis enchanté de participer à ce live afin d'apporter un peu des points d'éclaircissement à nos amis et collègues qui sont dans la procédure Campus France. Quel Congo? Congo Brazza ou Congo Congo-Brazzaville. On dit bonsoir, comment là-bas? Ou bonjour Mbote, est-ce qu'il y a des Congolais dans ce live? S'il y a des Congolais, qu'ils se signalent, des Camerounais, des Tchadiens, des Gabonais, bref, dites-nous d'où vous nous écrivez, des Marocains, des Algériens, ça peut être aussi des Français, hein. Tout le monde peut participer, peut écouter ce live, parce que ça peut aider soit la personne, soit le petit frère ou la grande sœur. D'où écoutez-vous ce live? D'où suivez-vous de quelle origine êtes-vous? Et voilà, si vous pouvez essayer de nous le dire en commentaire. Du Gabon, Alice nous écoute du Gabon. Ah, c'est du Congo. Oh. Wow. On a le Congo qui est représenté. Oh, oui. Donc je suis seul. Il n'y a pas le Cameroun. Mes amis du Cameroun, vous êtes où? Hein? On se signale. Depuis Libreville. Voilà. D'ailleurs, ça me permet, ça me rappelle, oui, depuis le Cameroun pour Ingrid, ça me rappelle que je dois m'excuser parce que à la base on devait être trois avec Ulrich, mais voilà, Ulrich a eu un empêchement de dernière minute et je m'en excuse pour son absence. Et voilà, à la base c'était ça qui était prévu. Donc, voilà. Donc, on va continuer à pouvoir réaliser ce live. Mais voilà, de toute façon, je vous présente nos excuses ainsi celles du riche pour son absence. OK. Donc, on a le Congo, on a un beauté.
Depuis Libreville, on a le Cameroun, le vert ou jaune, le 237 est représenté, on a le Congo. Je suis tchadien, je voudrais avoir une fonctionnaire pour postuler. Et comment? Et si oui, comment? Restez sur le live. Voilà, on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Donc on a le Cameroun, on a le Tchad, on a le Gabon. Alors, ça veut dire que l'Afrique centrale est représentée. Sinon, il y a nos amis de l'Afrique de l'Ouest. Je serai. Oui. Ohona, c'est bien un nom camerounais ça. Ok, donc Dorian et Dany, dont deux étudiants qui ont fait la procédure, c'est vrai que dans des années décalées, c'est-à-dire moi depuis 3 ans et lui depuis 1 an, ça veut dire que logiquement, vous savez qui doit être le plus à même de répondre aux questions. Voilà, j'ai dit ça. Je n'ai absolument rien dit, comme toujours. Ok, dans le titre du live, il s'affiche. J'espère qu'il va s'afficher. Tout savoir Il est là. sur la procédure Campus France. C'est le titre de ce live. Et voilà, on aura l'occasion d'aborder. Ok, 13 cœurs. Voilà, envoyez les cœurs. Voilà, c'est-à-dire envoyez pour que ça puisse toucher beaucoup de personnes. Et puis on partage. Voilà pourquoi on peut se toucher le maximum de personnes. Ok, si la présentation a été faite, parce qu'elle a été faite, on va donc commencer avec la première question, qui en fait est une question qu'on va répondre à deux, mais que chaque candidat doit se poser avant de commencer la procédure Campus France. Pourquoi avoir choisi la France? Ok, Dorian, je vais te passer la parole. Après moi, je vais répondre à cette question. Pourquoi avoir choisi la France pour continuer tes études? Ok, d'abord, on va repartir quelques années en arrière, bien sûr. Donc, comme j'ai dit, je suis originaire du Congo et j'ai étudié par contre au Burkina Faso où j'ai fait mes 3 premières années d'études en génie civil, bien sûr, génie civil et hydraulique. Et après, il fallait que je poursuive ma formation pour un master. Et là, se poser la question de qu'est-ce que je vais choisir comme orientation. Et l'orientation que je voulais plutôt choisir, c'était l'orientation bâtiment. Donc beaucoup plus structuré bâtiment et la filière qu'il y avait sur place dans l'université dans laquelle je me trouvais durant mes 3 années précédentes ouvrait la filière en fonction du nombre d'étudiants qui veulent s'inscrire dans la filière. Et il s'est avéré que dans ma promotion, il n'y avait pas suffisamment d'étudiants qui s'intéressaient à la filière du bâtiment. Donc il fallait bien que je me trouve un endroit où je veux poursuivre mes études, d'où l'intervention de la France où je me suis dit que je pourrais étudier ce que je veux déjà à la base et peut-être mieux dans des conditions meilleures et avec la pratique qui va à l'appui. Et c'est dans cette optique que j'ai opté pour la France. Donc, c'était pour des raisons personnelles. Oui, c'était plutôt pour des raisons personnelles, à titre personnel, parce que je voulais poursuivre dans un domaine bien précis. Et quand j'ai cherché des écoles de référence, certains m'ont ramené vers la France. Donc, du coup, voilà pourquoi j'ai opté pour la France. Mais il y a l'Angleterre, le Canada, les États-Unis, la Belgique, il y a beaucoup d'autres pays. Oui, il y avait le Canada qui figurait dans la liste. Il y avait tout d'abord en premier la Chine, mais il y avait la barrière de la langue parce que la langue, c'était pas trop mon fort. Donc, du coup, j'ai eu la barrière de la langue avec la Chine, vu qu'ils sont suffisamment avancés, développés dans le domaine de la construction. Ensuite, il y a eu le Canada, mais les moyens ne m'ont pas permis de m'y rendre. Et après, la France se présentait entre aller à cheval avec le Canada. Donc, du coup, j'ai opté, directement pour la France après. D'accord. Ce qu'il faut vraiment signaler, c'est au cours de ce live, nous allons reprendre avec nos expériences. Mais moi, je vous invite à tirer la quintessence de, c'est-à-dire, okay, c'est-à-dire la quintessence de nos réponses.
c'est-à-dire la moelle épinière, comme on dit souvent, pour décrire les éléments les plus importants d'une réponse. Par exemple, à cette question, pourquoi avoir choisi la France? Moi, personnellement, je réponds personnellement, c'est parce que ça me permettait de poursuivre mon rêve, c'est-à-dire j'avais un rêve, c'est-à-dire celui de pouvoir effectuer une thèse de doctorat avec des moyens considérables et pourquoi pas faire dans la physique expérimentale. Donc voilà, ça partait d'une bonne intention de pouvoir voilà, continuer mon projet d'études, d'avoir une thèse de doctorat en physique et précisément pouvoir travailler en expérimental. Mon pays d'accueil, voilà, ayant des moyens limités, en termes de. Pour pouvoir, c'est-à-dire limité dans le sens que je ne pouvais pas avoir ce matériel dans mon pays, la France me paraissait être l'échappatoire parfaite pour ça. En plus de ça, il y a la langue. C'est le français, c'est voilà, l'intégration pour s'intégrer. Pour moi, voilà, ça devait être plus facile. La France apparaît comme étant, sur ce plan, un endroit facile pour pouvoir m'intégrer. Autre point encore, la France fait partie des. Là, il y a des prix Nobel en physique en France. Voilà, donc l'enseignement est de qualité, les enseignants sont de qualité. Quand on regarde le classement Shanghai des universités, alors, ils sont pas dans le, voilà, ils sont pas en haut, mais voilà, ils sont pas très loin du sommet. Donc voilà, donc la France a ceci de particulier qui t'offre en termes de formation, en termes de qualité de formation, en termes d'enseignement, en termes d'enseignants. Voilà, un panel assez large et assez varié qui va forcément permettre à un étudiant de réaliser son projet professionnel et son projet d'études. C'est quoi le projet professionnel? C'est quoi le projet d'études? Restez sur live et sûrement on aura l'occasion d'en rediscuter. Ok, ça c'était la question sur le pourquoi la France, mais pourquoi donc faire la procédure Campus France? Pourquoi, d'où vient la nécessité de faire la procédure Campus France? Quand tu es au Burkina Faso, pourquoi donc faire la procédure Campus France? C'est beaucoup, voilà, pourquoi? Bon, pourquoi faire la procédure Campus France? Parce que premièrement, sauf erreur de ma part, les informations que j'avais, si tu veux venir étudier en France, tu dois forcément, que tu le veuilles ou pas, passer par Campus France, qui se trouve dans plusieurs pays d'Afrique. Sauf si tu as fait un parcours français depuis l'Afrique et là tu passes par Parcoursup, ça c'est un autre domaine. Mais si tu as fait une université quelconque ou bien tu as passé un bac de ton pays, tu dois faire la procédure Campus France pour intégrer une université en France. Even if c'est une université privée, il faudrait que tu finisses par repasser par Campus France pour la validation de ton dossier au niveau de l'université. Donc, d'où la nécessité à tout prix de passer par Campus France. Et le fait qu'il y avait des gens que je connaissais qui sont déjà passés par là, ça me facilitait encore plus la tâche que suivre la procédure pour le Canada et pour les autres pays. Donc voilà pourquoi j'ai procédé par suivre la procédure Campus France. Donc c'est obligatoire. Si je comprends bien, c'est obligatoire. Il n'y a pas de voie de contournement. À ma connaissance, non. La seule option que je connais, c'est si tu as déjà un bac français. Parce que quand tu as un bac français, tu as juste à passer par Parcoursup parce qu'il y a des écoles françaises un peu partout en Afrique. Donc, du coup, si tu passes le bac français, ben, tu as le même titre qu'un élève français ayant un bac. Donc, du coup, tu passes juste par Parcoursup pour déterminer dans quelle université tu veux aller et quelle est la formation que tu veux suivre. Donc, ce qu'on invite des gens qui nous regardent, c'est de se renseigner dans leur pays d'accueil si ils possèdent Campus France. Bon, j'ai suivi Congo, Cameroun, Libreville, le Gabon. Voilà, dans tous ces pays, il y a Campus France. Donc, je vous invite vraiment à se rapprocher d'eux. Pas se rapprocher, ça veut dire que vous avez la possibilité Campus France. Et voilà, vous devez faire la procédure Campus France si vous voulez aller
à l'étranger. Et j'insiste encore, tu as évoqué le point de celui qui a un bac français. Moi, même celui qui trouve une admission ou une acceptation dans une école dans le privé doit passer par Campus France pour continuer Oui. sa procédure après. Donc, je vais parler comme un mathématicien. Quelle que soit lame d'appartenant à R, vous devez passer par la procédure Campus France. Donc, c'est quelque chose d'assez général et de commun à beaucoup de pays dans le monde. Ok, comme ça, de manière générale, quelles ont été tes difficultés dans la procédure, sur la procédure Campus France? C'est-à-dire de manière générale, hein, de manière générale, comme ça, quelles ont été tes difficultés majeures dans la réussite de ton projet de venir en France pour étudier? Ok, j'avais, je peux dire, une difficulté, ben, c'est un en deux. C'était surtout dans le choix de ma formation et de l'université dans laquelle je vais aller poursuivre ma formation de génie civil. Parce qu'il fallait trouver la formation qu'il faut, savoir si on est, si on a les prérequis qu'il faut pour la formation et préparer une lettre de motivation pour adresser à l'université. Ça, c'était mes plus grands challenges, c'était ces deux challenges-là. Sinon, en ce qui concerne les documents, je pense que j'avais le nécessaire sur moi directement. Et ce qui me permet de revenir sur un point, si tu permets, si vous voulez faire la procédure Campus France, il faut vraiment se rassurer que vous détenez personnellement tous vos documents administratifs. Donc, genre les documents, vos relevés de notes, vos attestations de stage pour ceux qui sont déjà à l'université, vos pièces d'identité, vos actes de naissance. Il faut détenir vraiment ça parce que ça vous rend la tâche beaucoup plus facile que si une autre personne détient vos documents. D'accord, c'est de manière vraiment. De toute façon, comme j'ai dit, c'était vraiment de manière générale. On va revenir Oui. sur le fond. Moi, particulièrement, cette difficulté, ça a été beaucoup plus au niveau de la recherche de l'information, de la bonne information. C'est-à-dire, j'ai dû, j'ai dû être dans différents groupes Facebook, différents groupes WhatsApp. Je suis allé loin en Afrique de l'Ouest pour intégrer les groupes parce que j'étais à la quête de l'information. Parce que pour moi, j'estimais que c'était. Je ne dis pas que avec Campus France, on peut pas avoir toutes les informations à travers le site internet, à travers se rendre sur le lieu. Mais je sentais que j'avais soif de l'information parce que il y a beaucoup de volets. Volets prérequis, volets logement, volets comment remplir son compte, comment faire le choix des universités, comment insérer un document, comment le compresser. Voilà. Bon, moi, peut-être j'avais discuté parce que je faisais aussi mes premiers pas dans le numérique à travers cette procédure. Donc, pour moi, c'était vraiment la difficulté majeure, c'est-à-dire vraiment aller chercher l'information. Ce qui faisait que, et n'ayant pas, parce que d'autres font, beaucoup font la procédure, Campus France, en ayant déjà une base, un pied-à-terre en France. Un oncle, une cousine, un cousin, un frère. Mais moi, personnellement, je fais cette procédure en étant quasiment tout seul, en n'ayant personne en France. Donc, ça faisait que je devais avoir des réponses, mais je devais chercher les questions par moi-même. Et d'ailleurs, c'est pour ça que. Excusez-moi, je disais tout à l'heure dans l'introduction que je fais partie de membres qu'on appelle loin du pays, que vraiment, on estime que. Voilà. Pouvoir répondre à ces questions, ces différentes questions que les candidats se posent, c'est faciliter vraiment la venue de ceux-là pour continuer les études en France. Bien sûr, au niveau de la procédure consulaire, je suis passé par Studéli qui a vraiment facilité ma demande de visa et ma caution. Mais bon, ça, on reviendra sûrement dans la suite du live. Mais comme je disais, de manière générale, ça a été beaucoup plus la quête vers l'information qui a été ma difficulté majeure. Je ne dis pas que c'est verrouillé, mais il faut aller chercher l'information. C'est-à-dire, si tu restes comme ça, sur place, et tu te dis, l'information va venir me trouver, non, il faut être vaillant, courageux, tenace et aller chercher l'information. Donc, tout ce qui regarde ce live, c'est sûrement parce qu'ils sont à la quête de l'information pour eux ou bien pour les membres de leur famille. Avant de continuer,
Et je voudrais répondre à une question qui a été posée par Solange. Elle dit, s'il vous plaît, j'ai une préoccupation. J'ai ouvert mon compte Campus France et après soumission de mon dossier, je me suis rendu compte que qu'il y avait une grosse erreur. J'aimerais savoir si je peux ouvrir un autre compte avec ma carte nationale d'identité ou je. Bon, ce que je te conseille, c'est. D'abord, moi je dis toujours qu'on ne soumet pas un dossier Campus France sans avoir eu, pas l'aval, mais sans avoir eu le coup d'œil d'un agent Campus France. La première chose. Et de deux, non, pas besoin d'ouvrir un autre compte Campus France. Contacte justement un agent Campus France le plus proche de chez toi, dans ta ville, et voilà, ils vont sûrement décocher, je sais pas si ce terme existe en français, dévalider ton dossier et voilà, ils vont te redonner la main et tu pourras corriger le mistake que tu as commis d'erreur. Will disait la même chose, il disait la même chose de contacter Campus France. Donc, ça c'était pour les difficultés majeures, bon, pas majeures, difficultés principales qu'on a eues durant la procédure Campus France. Ok, tout à l'heure j'ai parlé d'une difficulté, j'ai parlé du choix de la formation, le choix des formations sur Campus France. Ok, tu es au Burkina Faso, tu voulais continuer tes études, comment tu as fait ton choix, Dorian? Ah oui, ça c'était un vrai parcours. D'abord, je veux revenir sur la quête de l'information parce que tout revient finalement à la quête de l'information parce que les difficultés que nous rencontrons très souvent, c'est parce qu'on n'a pas la bonne information. Parce que si on a la bonne information, on ira directement chercher ce qu'il a cherché. Donc moi, contrairement à Dany, je connaissais des gens qui avaient déjà fait la procédure Campus France, donc c'était beaucoup plus facile pour moi d'avoir l'information. Des fois, je n'avais même pas besoin de me déplacer pour chercher. Je fais juste un message et la personne était réactive, me répondait à tout moment. Mais par contre, dans le choix de la formation, comme c'était un choix personnel, il fallait bien se débrouiller pour choisir sa formation. Donc moi, au début, dans mes débuts de choix de formation, j'en ai commis des erreurs parce que ce que je considère comme erreur, peut-être pas pour certains, parce que dans mes débuts, ce que je faisais, c'est que je choisissais d'avoir ce que je voulais sur Google. Je tape non l'université, par exemple, je prends l'université de Lorraine. Est-ce qu'ils ont la formation que je veux? Je choisis, je choisis, je choisis, sans savoir qu'il y avait un autre challenge qui se présentait. C'est que sur la plateforme de Campus France, Pastef Diplomatique, il faudrait bien aller retrouver l'université là-bas sur place et ensuite savoir si la formation cadre vraiment avec nous. Du coup, après avoir fait cette erreur, ça m'a pris suffisamment d'avoir de temps pour pouvoir trouver les universités que je voulais. Comme il fallait en choisir un nombre bien défini, j'ai choisi le nombre défini et je me disais que ben, le plus dur a été fait. Je vais aller sur la plateforme juste cocher ce que j'avais à cocher. Mais quand je me suis retrouvé sur la plateforme, c'était encore un autre challenge. Et une idée différente m'est parvenue parce que je n'arrivais pas à trouver les universités que j'avais préalablement choisies depuis, je peux dire, Google sans passer par la plateforme Campus France. J'ai procédé différemment. Je suis venu sur la plateforme Campus France. J'ai tapé ma recherche de formation que je voulais faire. On m'a proposé les universités. Une fois que on me propose les universités, je vais maintenant voir si ces universités cadrent avec mes attentes, premièrement. Et ensuite, je vois si les prérequis qu'ils demandent vont de pair avec ce que j'ai comme prérequis. Donc, c'était un peu de cette manière que j'ai procédé dans le choix de mes formations au final. Donc, il y a certaines formations que j'ai choisies au début que j'ai pu retrouver, mais d'autres non. Comme l'université de Lorraine, ça ne faisait pas partie de mes choix. Finalement, c'est parce que j'ai procédé différemment que j'ai pu trouver l'université de Lorraine. Ok, donc si ceux qui nous suivent si ceux qui nous suivent comprennent bien, on a un choix de formation qui ne se fait pas dans le hasard. C'est-à-dire, ce n'est pas en disant ok, je vais faire génie civil, je m'avais écrit génie civil dans la formation de la barre de recherche de Campus France, j'appuie recherche, ça tourne et les sept premières universités que ça s'affiche, je coche et puis je valide et puis je. Bon, pour toi, c'est pas ça quoi.
Non, non, c'est loin d'être ça. C'est loin d'être ça. Si vous voulez vraiment obtenir votre admission, ce qui est le souhait de tout le monde, c'est vraiment pas comme ça qu'il faut procéder parce que chaque université a des critères de sélection, des prérequis qu'il demande. Donc, il faut vraiment faire une recherche assez approfondie de chaque université que vous voulez choisir. Et l'idéal, c'est vraiment d'aller sur la plateforme Campus France et de rechercher sur place, voir l'université, faire les recherches qu'il y a à faire sur l'université, puis valider, ajouter la formation à vos paniers. Je pense qu'on pourra en revenir sur ces détails-là un peu plus tard dans le live, qu'on va un peu plus détailler sur la procédure. Et d'ailleurs, je suis pour répondre à cette question, effectivement. D'ailleurs, j'ai déjà répondu à cette question. Oui, on va dire, j'ai répondu à cette question sur l'une des vidéos que j'ai réalisées la semaine dernière sur la chaîne Loin du pays, où justement le titre c'était Comment choisir ses universités. Et j'ai voilà, j'ai interpellé quelques points que tu as déjà cités ici, la notion de prérequis, c'est-à-dire absolument regarder les prérequis d'une formation. Est-ce que oui ou non, je respecte les prérequis? C'est-à-dire, il faut 12 dans une matière, est-ce qu'il faut passer le TOEIC, est-ce qu'il faut avoir un niveau B2 en anglais? Voilà, pour moi, il faut regarder les prérequis, comme tu as dit, de la formation. Deux, regarder si oui ou non, la formation est cohérente avec mon parcours académique. Donc, il est hors de question que, pas hors de question, il paraît un peu aléatoire de dire que j'ai fait mathématiques et je postule pour faire histoire contemporaine. Voilà, j'ai pris deux cas à l'extrême, mais pour montrer bien que, voilà, il faut prendre les formations en cohérence de votre parcours. Si il n'y a pas cohérence dans votre parcours académique et vous postulez, malheureusement, il est fort probable que vous n'avez pas, vous n'aurez pas des admissions. Ou alors, et encore, essayer, et ça c'est le plus compliqué, d'avoir des contacts avec les responsables de formation. Ça encore, moi dans mon cas, pour vous raconter la petite histoire, j'ai eu le contact, j'ai contacté tous les responsables de mon master auquel j'ai postulé. J'ai dit tous. Je les ai eus par mail ou par téléphone. Parce que j'étais dans l'optique de dire, ok, si je postule quelque part, il faudrait que je sache à peu près si j'ai pas une chance, parce qu'ils vont pas, ils ne peuvent pas te répondre parce qu'effectivement le jury n'a pas encore siégé, voilà, on peut rien te dire. Mais au moins, tu vois si tu fais ton profil, peut être un profil qui peut intéresser le responsable de la formation ou du département. Donc, contacter le responsable de formation, généralement le mail est noté sur le site internet. Il y a justement l'adresse mail qui est justement souvent notée, toujours même, ou le numéro de téléphone. Donc, essayez de contacter les responsables de formation pour justement, voilà, demander, ok, vous faites un bon mail, hein, je m'appelle Monsieur Dany, je suis étudiant en master de génie civil option bâtiment. J'effectue maintenant mon école, je suis actuellement à l'école nationale supérieure polytechnique, tantantant, je souhaite postuler pour votre établissement, papa. Bref, vous vous présentez normalement et là, j'ai vu les prérequis, mais il me semble assez, pas flou, mais il me semble assez, pour moi, ils sont incomplets ou bien ce n'est pas assez clair, je voudrais en savoir plus. Voilà vous ajoutez votre CV. Et voilà, là comme ça, on pourra, il verra que vous êtes intéressé, vous allez changer et vous allez commencer à savoir oui ou non, est-ce que vous avez la chance. La dernière chose, après prérequis, contacter le directeur de formation et regarder la cohérence dossier, c'est regarder si la formation est sélective ou pas. C'est-à-dire, il y a certaines formations qui sont, voilà, il n'y a pas d'affluence et d'autres qui en a plus. Donc voilà, je vous invite à regarder tous ces paramètres avant d'effectuer, comme Dorian l'a dit, votre choix sur Campus France. Parce que malheureusement, si vous faites ça de manière aléatoire, vous dites que je vais aller faire chimie des matériaux, je m'en vais, je tape chimie des matériaux, je tape sur la plateforme de recherche. Voilà. Autre chose que j'ai pas dit pour le choix, je suis quand même allé regarder le classement à Shanghai des universités. J'avoue, parce que je me disais, voilà, il faut quand même que je parte dans une université qui a un bon classement. Donc, je suis quand même allé regarder, voilà, juste pour le fun, pour regarder dans quel type de formation je vais partir. Bon, voilà, il y a beaucoup de classements. Je prends Shanghai, c'est parce que c'est celui que je connais et c'est celui. Mais il y a beaucoup d'autres classements, classement des universités qui acceptent le plus, classement des formations moins sélectives, classement, il y a beaucoup de classements. Sur Campus France,
je pouvais trouver des statistiques des universités qui acceptent beaucoup plus d'étudiants étrangers. Bon, bref, essayer de faire un truc assez cohérent, un truc assez cohérent pour le choix de vos formations. Oui, je vais ajouter Vas-y quelque de rien, chose. vas-y de rien. Donc, comme Will l'a dit, ça ne veut pas dire que c'est tout ce que j'avais fait. J'ai juste cité quelques trucs. Il y a un autre point que j'ai fait parce que pour choisir ma formation, j'ai vraiment pris beaucoup de cas, les prérequis. Et si ma formation va en adéquation avec l'université dans laquelle j'allais, c'était quelques points. Parce qu'il y avait aussi le classement des universités en France. Donc, je regardais le classement des universités en France. Je me suis dit, ben, j'irai pas dans une université qui est la dernière université de France dans mon domaine. Ça ne m'aiderait pas du tout. Après, il faut trouver de l'emploi. Tu ne vas pas sortir d'une université qui vient de nulle part. Donc, je regardais le classement des universités en France, le classement des villes étudiantes en France, où il y a des universités qui reçoivent le plus d'étudiants étrangers en France. Et après, je me renseignais au fur et à mesure, quand ils reçoivent des étudiants, quels sont leurs critères de sélection? Est-ce que le critère de sélection est plus rude dans telle université ou un autre, vu que moi, je suis un étudiant, disons, à peu près moyen? Donc, du coup, je me rappelle toujours d'une de mes réponses. On m'a revu dans une université où je voulais vraiment aller, où on m'a dit que ben, mon dossier était bon, mais au fil des dossiers de 10 autres étudiants, j'étais pas vraiment à la hauteur. Donc, ça m'avait vraiment fait mal. Donc, c'est tout, c'est ces trucs qu'il faut prendre en considération. Vous pouvez avoir les prérequis, votre parcours peut aller en adéquation avec une université. Pour ceux qui surtout poursuivent leurs études universitaires, bon, pour ceux qui viennent du bac, c'est encore, je pense, moins compliqué. Mais pour ceux qui poursuivent, il faut qu'il y ait l'adéquation. Ensuite, il faut savoir si votre dossier, en quelque sorte, je peux dire, est en béton. Est-ce que vous avez été un étudiant, si vous êtes un étudiant assez brillant, tant mieux pour vous. Mais si vous êtes un étudiant assez moyen, il faut bien voir où est-ce que vous allez postuler. Parce que si la concurrence est rude, votre dossier peut être bon, vous pouvez tout remplir comme condition, mais malheureusement, on vous dit qu'on ne vous prend pas parce que, au vu des dossiers d'autres personnes, votre dossier est plutôt moyen. Donc, c'est un point que je voulais bien, des points que je voulais bien ajouter encore. Ok, on comprend bien le. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut repréciser, repréciser. Donc ne vous si quelque chose d'arrêter quelque chose, donc ne restez pas sur votre compte Campus France et vous faites le choix de formation et puis vous dites ok j'ai choisi la formation puis je soumets mon dossier. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà, on a cité bon nombre de choses, des prérequis, on a cité la cohérence du parcours académique, on a cité d'essayer de contacter les responsables de formation, on a cité, Dorian parlait là voilà, de la sélectivité de l'université, voire même de la formation. Donc, essayez voilà, de regarder tous ces paramètres avant de choisir. Ok, Elsa nous dit. Moi, j'ai choisi qu'une seule formation. Cela peut poser problème. C'est un peu dommage. Pourquoi choisir une seule formation? C'est combien de formations, Dorian? Ça fait depuis, hein? Ça fait Oui, sens. ben, vous avez droit à postuler dans 7 universités différentes, ben, parmi lesquelles il y a d'autres critères qu'il faut prendre. Par exemple, les INSA, tu peux pas en prendre plus de 3. Polytech, tu peux pas en prendre plus de 2 pour ceux qui sont un peu dans le domaine technique et autres. Mais sinon, c'est 7 universités par personne. Donc, comme dit Elsa, ce serait vraiment dommage que tu postules dans une seule université. Si tu as la possibilité de postuler dans 7 formations différentes, ben, vas-y, postule, maximise tes chances, mais choisis quand même des trucs qui vont en adéquation avec ton projet professionnel et ton projet d'études, bien sûr. Mais ne te limite surtout pas à une formation, ce serait bien dommage. Guy Landry nous demande comment participer. Écoute, les messages, les commentaires en commentaire, je lirai tous les commentaires. Tu peux participer en likant le live, en mettant des cœurs, ça me ferait toujours, ça me fait plaisir, en partageant et voilà, c'est, ça fait plaisir. Il dit, mais j'aimerais savoir si les rentrées de février en termes de visa. Malheureusement, ce n'est pas le live de la procédure visa. Pour l'instant, je préfère qu'on parle de Campus France parce que c'est le début de la. Bon, elle a commencé depuis le 1er octobre. Donc, voilà, de peur de ne pas mélanger les torchons et les serviettes. Pour l'instant, on reste. voilà encore.
On peut avoir le visa sans Campus France. Comme on disait tout à l'heure, on a commencé ce live, on a répondu. Est-ce que déjà tu voudrais encore te répéter sur le début à cette question de est-ce qu'on peut avoir le visa sans Campus France? Je dirais non, pour être plus clair, comme a dit Daniel au début, quel que soit l'onda dans l'air, il faut que tu passes par Campus France. Si c'est pour étudier, bien sûr. Si tu veux venir en France pour étudier, tu dois passer par Campus France. Même si tu prends une université privée, que ce soit un truc privé ou public, tu dois passer par Campus France parce qu'il y a un document très important que Campus France doit te fournir. Et je peux même dire que c'est le document phare de ta procédure de demande de visa, une procédure qu'on verra peut-être plus tard dans d'autres lives. Mais il faut à tout prix passer par Campus France, à ma connaissance en tout cas. Campus France ou rien. Ça c'est exact, c'est Campus France. Si votre pays possède la Campus France, voilà, quel que soit, voilà, vous devez passer par Campus France. Vous avez une admission dans le public, dans une école connectée à Campus France, ou vous avez une admission dans le privé, dans une école non connectée à Campus France, vous allez après, quand vous aurez l'admission, passer par Campus France, vous allez cliquer Je suis accepté. Mais là, c'est encore une autre formation là-bas. Mais quelle que soit votre procédure, si vous avez l'intention de venir continuer vos études en France, vous allez passer par Campus France. On a une question de Mohamed qui nous dit, je suis fonctionnaire et je voudrais continuer les études et dans la même procédure pour les fonctionnaires. À noter que ça, c'est un cas qu'on retrouve généralement, c'est-à-dire quelqu'un a commencé à travailler et puis voilà, il voudrait revenir continuer ses études. Non, il n'y a pas une procédure particulière pour les fonctionnaires ou pour voilà, si vous voulez candidater pour une université en France, vous devez passer par la procédure Campus France. Créez votre compte comme tout le monde et suivre la procédure. Maintenant, ceci étant dit, vous allez avoir un souci pour justifier le fait de revenir fréquenter. Ça, c'est quelque chose qui est clair. C'est-à-dire, vous revenez fréquenter, il va falloir justifier pourquoi ou argumenter pourquoi vous revenez fréquenter. Et là, ça peut poser un souci, surtout s'il y a un décalage vraiment entre là, quand vous avez arrêté de fréquenter et quand vous voulez revenir postuler pour des établissements en France. Donc, vraiment, regardez tout cela et apprêtez bien vos argumentaires. Là, c'est ça qui peut déranger. Bon, pour le cadre de est-ce que oui ou non je dois ouvrir mon compte bancaire, est-ce que je dois faire la prise en charge d'études et plus. Donc, commencez d'abord par faire Campus France et commencez d'abord par répondre à cette question. Pourquoi je reviens faire mes études? Pourquoi je reviens faire les études? Avant de répondre à la question, pourquoi je ne veux pas faire mes études en France? C'est-à-dire, pourquoi je reviens fréquenter et en plus, pourquoi je reviens fréquenter en France? Ça fait beaucoup de questions qu'il faut déjà répondre et trouver des argumentaires solides. Parce que dans la procédure Campus France, il y a une étape qu'on appelle entretien Campus France. Et si vous n'arrivez pas à défendre votre projet là-bas, malheureusement, la suite ne sera que pas perdre de temps, mais voilà, vous allez jouer pas de malchance, mais voilà, ça ne sera pas évident. Ok. Dani, s'il te Oui, plaît, je vas-y, vais Dorian. ajouter quelque chose en ce qui concerne la question. Au vu de tout ce que Dani vient de dire, c'est pas pour dire que vous devez vous décourager déjà. Parce que pas plus tard que hier, j'ai rencontré une amie, une compatriote congolaise qui est dans le même cas, qui a travaillé pendant un bon bout de temps. Donc, banabongo, donc, n'ayez pas peur, vous pouvez toujours postuler, ça va marcher. Parce que vous avez les arguments qu'il faut, c'est pas pour rien que vous voulez revenir étudier, donc il vous suffira de bien défendre bien apporter vos arguments en ce qui concerne votre réorientation vers encore un parcours scolaire. C'est quelque chose de très faisable, surtout ne pas se sentir découragé au vu de tous les points qu'on cite là. Oui, bien sûr, je me suis montré ferme, mais ça c'est à mon habitude. Mais
Ça, c'est un défaut. Mais effectivement, ce n'est pas effectivement impossible. Effectivement, pareil, on a des connaissances, j'ai des enseignants qui ont fait des formations d'enseignants, qui ont commencé à enseigner, et puis qui étaient fonctionnaires, et puis voilà, qui ont fait la pause du campus France et qui sont venus en France. Non, c'est faisable. Voilà. Au niveau de la faisabilité, c'est clair, c'est faisable. Maintenant, il faut juste que le projet soit cohérent. Après, si le projet est cohérent et qu'il y a des justificatifs de pourquoi, voilà, vous pouvez continuer vos études en France. Campus France peut me trouver une femme. J'épouse et je viens étudier. Très drôle. C'est très drôle. Je suis mort de rire. Bon, on va continuer le live. Et sinon, on va pas. Promis, on va revenir sur vos questions. Faut bien continuer ce live. Ok, on a parlé tout à l'heure de projets d'études et projets professionnels. Ah, on va reprendre avec nos projets professionnels et nos projets d'études. Voilà, c'était quoi ton projet professionnel? Ça peut être changé. Non, 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 Ça non. C'est clair que je peut n'ai être toujours pas changé. changé. Ça peut être changé. Ok, si ça n'a pas changé, c'est bien. C'était donc quoi ton projet professionnel et c'était donc quoi ton projet d'études? À travers ta réponse, on pourra clairement distinguer la différence entre les deux. Ok, ben, je peux quand même apporter juste une petite distinction déjà avant d'apporter tous Bien, les éléments bien de sûr, réponse. bien sûr, bien sûr. Donc, Sens toi déjà, libre. comme on voit là, il y a le projet d'études et puis il y a le projet professionnel. C'est deux trucs qui vont ensemble, mais qui ne sont pas la même chose, qui ne sont pas identiques. Parce que le projet professionnel, en quelque sorte, c'est de réfléchir au métier, au domaine dans lequel on va exercer dans le futur. Donc, quand on te demande c'est quoi ton projet professionnel, de dire, donc tu as déjà fini, tu as une idée de ce que tu veux faire comme métier ou bien dans quel domaine tu veux exercer dans le futur, après tes études, bien sûr. Après, il y a le projet d'études, qui sont les moyens qu'on met en place pour atteindre notre objectif professionnel. Donc, je veux revenir maintenant dans mon cas bien précis du génie civil. Donc, Doré, excuse-moi de te couper, mais en lingala, ça peut donner quoi? Parce qu'en français, c'est déjà compliqué, mais j'imagine que ça peut être. Je ne dis pas que ce que tu as dit est compliqué, mais tu as utilisé le français de. Voilà, je ne vais pas dire de Molière, mais en lingala, qu'est-ce que ça peut donner pour. Parce que je rappelle qu'il y avait nos amis du Congo au début du live et qui sont encore sûrement présents. Donc je vais parler en lingala. Donc, pour Navan en Congo, donc projet professionnel, et ça, ni tolingi to sala, si to silici au étudier, si to silici ko sala l'école, ni to ko sala après. Ce qu'au projet d'études, et ça, ni tozo sala l'élo, bongo to koko sala, et l'eau ko tolingi to sala, l'eau to ko silici au kota. Donc, c'est à peu près ça. Donc, c'est juste pour dire que ce que j'ai répété, le projet professionnel, c'est ce que nous voulons faire, exercer comme métier dans le futur. Et le projet d'études, c'est qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui, quels sont les moyens que nous mettrons en place pour atteindre ce projet. D'accord. Et quel Donc, était donc tes projets à toi? moi personnellement, mon projet professionnel déjà, c'est d'exercer dans mon domaine du génie civil. En tant qu'ingénieur, plutôt dans le domaine du bâtiment et des structures, parce que c'est ce que je voulais faire depuis que j'ai commencé à faire le génie civil. Et maintenant, mon projet d'études, c'était plutôt mettre les moyens là concernés à aller dans les universités adéquates, avoir les compétences qu'il faut, parce que, comme on a su le parler en termes de formation, je peux taper formation génie civil ou bien master génie civil, on va me montrer plusieurs universités. Mais qu'est-ce qu'ils font dans le détail? C'est ce qui fait la différence. Si moi je veux faire, par exemple, dans le bâtiment, c'est bien d'avoir des connaissances dans d'autres domaines, mais je ne vais pas aller, par exemple, m'attarder sur comment on fait pour faire un forage et tout. C'est bien beau d'élargir ses connaissances jusque là-bas, mais à la base, comme mon projet, c'est plutôt d'exercer dans le bâtiment. Je m'attarderai plus dans mon projet d'études à savoir quelles sont les compétences que je dois acquérir pour, je peux dire, être compétitif dans le domaine de l'emploi, dans le marché de l'emploi. Donc, j'ai cherché des universités qui allaient vraiment en adéquation avec ça déjà pour avoir ces compétences afin d'atteindre mon objectif qui est d'exercer dans le domaine du génie civil en tant qu'ingénieur. C'est à peu près ça.
D'accord, on a bien compris la distinction entre son projet d'études et son projet professionnel. Et il nous a fait le plaisir de nous définir la différence entre les deux projets en français et en lingala. Qu'est-ce qu'on doit dire? On doit dire juste merci. Et partager, c'est-à-dire on partage, on partage, on partage, on partage. Vraiment, c'est le but de ces lives, de répondre à tous vos, à toutes vos préoccupations concernant la procédure. Moi, je tiens à, je ne vais pas revenir sur ce qu'il a dit, mais je vais te donner pourquoi projet professionnel prêt d'études dans ce live. Parce que cette question, vous répondez à cette question devant généralement au cours de l'entretien Campus France, ou et, même pas où, et dans vos lettres de motivation. Parce que vous devez dire exactement quel est votre projet, c'est-à-dire quel diplôme vous envisagez avoir et quel est le projet professionnel qui découle de ce diplôme-là. Parlons du mien, j'avais un projet, j'ai toujours ce projet, c'est quand je venais, il était clair, c'était de pouvoir faire un Master 2 en France, projet d'études, projet faire un Master 2, et à la suite de ce projet, de ce Master 2, décrocher un financement de thèse pour effectuer une thèse doctorat en France. Ça, c'était mon projet d'études, c'est-à-dire avoir un Master 2 et puis décrocher un doctorat en faisant, en ayant un financement de thèse en physique en France. Maintenant, pour le projet pro qui en découle, c'était de pouvoir transmettre la connaissance à d'autres étudiants à travers le métier d'enseignant-chercheur. Donc, voilà mon projet pro et voilà le projet d'études qu'il faut pour pouvoir réaliser mon projet professionnel et devenir enseignant-chercheur. Donc, c'est ça. Maintenant, oui, maintenant, le jeu d'entretien, j'ai évoqué le fait que je voulais devenir enseignant-chercheur pour aider mes frères de mon pays d'origine Ah oui. d'accroître la connaissance dans mon domaine. Bon, ça encore, l'avenir nous dira. Il faudrait déjà que je finisse de réaliser mon projet d'études avant de réaliser mon projet professionnel. Mais ce qui en découle, c'est que ça, il faut le savoir dès le départ. Ça veut dire que mes candidatures vont être gouvernées par ce projet d'études et derrière, mon entretien, voire même ma demande de visa sera gouvernée par mon projet d'études et mon projet pro. Donc, et ça, dans la lettre de motivation, j'anticipe déjà peut-être, mais dans la lettre de motivation, vous devez absolument retranscrire cela, retransparaître cela. C'est-à-dire, celui qui va lire la lettre de motivation, l'agent Campus France qui sera devant vous, doit ressentir que voilà, j'anticipe déjà peut-être en parlant déjà de ça, mais on a ressenti que vous maîtrisez votre projet d'études et votre projet professionnel. Ok, il y a souvent certaines questions qu'on dit, ok, est-ce qu'on peut avoir cinq projets d'études et cinq projets professionnels? Ok, restez cohérent. Un projet d'études, un projet professionnel, vous avez sept choix de formation. Voilà, moi je pense qu'il faut rester cohérent. Qu'est-ce que tu en penses, Dorian? Oui, c'est bel et bien ça. Vous pouvez pas avoir sept projets professionnels. Comment vous allez réaliser ces sept projets professionnels avec une vie? Bon, je dirais pas que c'est impossible, mais c'est pas un argument solide quand même. Parce que cela signifie juste que vos motivations ne sont pas claires. Parce que si vous présentez trop de choses, ça veut dire que les motivations ne sont pas claires. Quand vous avez une chose bien précise et vous argumentez sur ça, on comprend très bien que vous savez ce que vous allez faire et on va vous laisser faire ce que vous avez à faire. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu. J'ai Alexandra qui nous dit bonsoir. Moi, je suis au Burkina Faso actuellement. J'aimerais venir continuer mes études universitaires en France. Qu'est-ce que tu réponds à Alexandra Dorian? Oh, Alexandra, déjà, elle est dans mon pays, le Burkina Faso, comme j'aime ce pays. ben oui, bien sûr que tu peux venir continuer tes études universitaires en France, bien sûr. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour t'aider à avancer dans la procédure afin que tu puisses bel et bien venir continuer tes études en France. Il suffit de te rapprocher de Campus France, comme on a dit, et puis suivre la procédure en prenant en considération nos expériences qu'on a déjà eues, des petites astuces qu'on a mises sur pied. Et cela t'aiderait beaucoup. Après, il ne faut pas hésiter après de te rabattre vers la recherche d'informations. Comme a dit Dany au début, tu peux aller sur des chaînes YouTube. Il a mentionné Loin du pays où
on propose une panoplie d'informations ce qui concerne la procédure et ça t'aiderait beaucoup à avancer. Et peut-être de temps en temps, on fera peut-être. On est sur une page quand même Studeli. On est sur la page Studeli. On profite de Studeli, mais voilà, mettre en place cette activité, ce live animé par des étudiants. Pour moi, ça rend la chose beaucoup plus informelle et ça permet que voilà, l'échange soit beaucoup plus facile parce qu'on est entre étudiants, on est entre jeunes et forcément, on se comprend. Peut-être plus facilement. Effectivement, il y a loin du pays et il y a aussi, de temps en temps, on fera sûrement un virgule par cette page et vraiment, je tenais encore, mais c'est délit parce qu'il donne l'opportunité de toucher beaucoup d'étudiants de différents pays, Gabon, Congo, Burkina Faso, Cameroun. Et voilà, on peut les remercier pour cela. Comme quoi, c'est délit. Ok, on a. Destine Nina qui me demande quel est le coût de la formation dans les universités en France. Moi, je dirais que cette question est une question piège parce que si je tente de dire une seule somme d'argent ici, voilà, on va retenir On que va j'ai pas dit s'en une seule somme sortir. d'argent. On va pas s'en sortir. Donc, avec la loi Bienvenue en France qu'on a mis en 2016, 2000, quoi, 2018, quelque chose comme ça, Oui, 2019, 2019. 2019, voilà, il y a certains établissements qui exonèrent les étudiants étrangers et d'autres pas. C'est-à-dire qui appliquent la loi Bienvenue qui stipule que les étudiants doivent payer soit 2700 1770 en licence et en licence, 3770 en master. un master, pour les masters publics. Donc voilà, et donc il faudrait regarder si l'établissement où vous postulez propose des exonérations partielles de cela. Qu'en est-il pour toi, Dorian? C'est intéressant ça. Qu'en est-il pour toi? Oui, parce Peut-être. que ça aussi, c'est une question très, très importante parce que moi, durant ma procédure, c'est comme j'ai dit, mon choix de formation, c'était compliqué. Mon choix numéro un, je suis clair, c'était Toulouse. C'était vraiment pas Nancy, mon choix numéro un. Du coup, quand Nancy m'a accepté, donc ils m'ont dit que j'ai droit à l'exonération partielle. Et moi, je ne connaissais pas ce principe, au fait. Ce principe d'exonération partielle, jusqu'à ce qu'on ne m'accepte, je ne connaissais pas encore ce que ça veut dire. Donc, comme je t'ai dit, je discutais avec ceux qui étaient déjà en France et eux, ils avaient l'exonération. Donc, pour eux, c'était comme déjà acquis, quoi. Donc, du coup, moi, je ne savais pas qu'il y avait cette histoire. Maintenant, une fois, je discutais avec un de mes collègues avec qui j'ai étudié au Burkina Faso, qui est parti en France. Il m'a dit, mais attends, on t'a accepté dans une université où la formation te plaît bien, il y a l'exonération partielle et toi, tu tardes pour valider la formation. Tu t'avises ou bien quoi? Est-ce que tu sais c'est quoi l'exonération partielle? Il dit, mais non, moi, je vais de Toulouse. Donc, ce que tu me racontes là, moi, je ne veux même pas comprendre ça. Je ne veux même pas comprendre ce que tu me dis. Moi, c'est Toulouse que je veux, donc j'attends Toulouse. Alors que je pense qu'on m'avait donné un délai de réponse, donc de validation, pour savoir si je viens à l'université de Lorraine ou je ne viens pas. Et moi, j'étais là en train de traîner. Après, quand je me suis renseigné en ce qui concerne l'exonération, j'ai vu maintenant qu'il y avait l'exonération, il y a la loi de bienvenue en France. Quand j'ai vu tout ça, j'ai dit, mais mince, j'ai failli passer à côté d'une opportunité comme ça, alors qu'au final, Toulouse ne m'a même pas accepté avec une raison qui m'a vraiment brisé. Alors qu'avec l'Université de Lorraine, la formation allait bien en adéquation avec mon projet et qui me proposait une exonération partielle. Qui veut juste dire que lorsqu'on a l'exonération partielle, on ne paye plus les 3 700 euros pour le master dans mon cas. Je paye par contre 243 euros. Je ne sais pas si vous avez idée de la marge qu'il y a entre les deux. Ça fait des millions et des millions de nos fonds respectifs, de nos CFA, je suppose. Donc, c'était un peu ça. Donc, en ce qui concerne les montants au niveau des formations, on ne pourra pas préciser, mais il y a des listes quand même des universités qui proposent toujours l'exonération partielle. Ça existe jusque de nos jours. Bon, bien sûr, on a cité le cas des universités publiques. Les systèmes d'ingénieurs, je crois que c'est 600. 600 Oui, oui, les INSA et les Polytech, c'est 690, si je ne me trompe pas, ou 670 entre les deux. Voilà, donc, et malheureusement pour le privé, écoutez, et les business schools, c'est chaque privé. J'en ai vu des 10 000, des 15 000, des euros. Des 3 000, des 2 000, voilà. Dans le privé, ça varie selon la politique de l'école. Mais voilà, comme on a dit, il faut regarder s'il y a les universités appliquent oui ou non l'exonération partielle dans ces différentes exonérations partielles pour étudiants
étrangers. En tout cas, c'est chaque université qui choisit d'appliquer ou pas. Comme tu as dit, 243 à 2000, à 3000, voilà, c'est considérable. Si on s'entend bien, ça veut dire, dans la question même, le choix de formation, Définir l'université, oui. il faut inclure encore ce paramètre dans le choix de. Ça fait déjà beaucoup de paramètres, mais c'est vraiment, ça prouve comment c'est pas si facile de faire le choix de formation. Oui, parce qu'il y a ce paramètre maintenant pour ceux qui font depuis l'année dernière quand j'ai fait et pour les années à venir, en espérant que la loi puisse être peut-être revue, mais sinon il faut maintenant intégrer le facteur, est-ce que l'école donne des exonérations partielles aux étudiants étrangers ou pas? C'est aussi quelque chose à prendre en compte. Ok, Mohamed demande, et ça tombe bien avec lettre de motivation qui est écrite depuis un certain temps. Ça veut dire que c'est bien de ça qu'on va parler maintenant. C'est ok, merci. On doit rédiger la lettre de motivation, le projet d'étude, le projet professionnel, sur la même page ou différemment. Lorsqu'il parle de page, je comprends que sûrement il n'a pas encore ouvert un compte Campus France. Pourquoi je dis ça? Parce que rédiger sa lettre de motivation, c'est rédiger, il y a un espace bien précis, un nombre de caractères bien précis qu'on ne doit pas dépasser. Je crois que cette année, ils l'ont augmenté. Et voilà, ce n'est pas question de page, c'est question de caractère. Donc malheureusement, tu ne pourras pas dépasser ce nombre de caractères-là. Donc, à ta question, le projet professionnel et le projet d'études est glissé à l'intérieur de la lettre de motivation de manière subtile. Voilà, sinon, vous allez pas écrire lettre de motivation, projet d'études 2 points, avoir master 2 en génie civil, projet professionnel 2 points, devenir ingénieur pour société de société Tentempion. Donc non, vous devez glisser de manière subtile ces deux informations à l'intérieur de votre lettre de motivation. Ok, comment s'est passée la rédaction de ta lettre de motivation? Tu as fait une pour toutes les universités à Dorian ou bien tu as varié en fonction des choix? Ok, merci d'aborder ce point parce que quand t'es mis, je me disais bien, on va aborder l'un des points qui m'a causé le plus de problèmes. Parce que comme j'ai dit, mon choix d'université, c'était mon choix de formation, c'était mon problème majeur et c'était divisé en deux. D'abord, trouver la formation, ensuite faire la lettre de motivation. Ça, c'était un vrai combat et si je me trompe pas, le nombre de caractères, c'est 2500 ou quelque chose du genre, ou 2800, un truc comme ça. Donc, il fallait respecter le nombre de caractères. Tout ça, ce sont des trucs. Je précise un point, si vous voulez faire la procédure Campus France, ouvrez déjà vos comptes Campus France. Ça, c'est-à-dire, le matin, même au moment où on parle, allez ouvrir vos comptes Campus France. Parce que tant que vous ne vous imprégnez pas de l'environnement de la plateforme Campus France, vous aurez vraiment du mal à vous en sortir. Parce que moi, tout ça, on me disait, j'avais ouvert le compte, mais je n'y allais pas, quoi. Moi, je m'imaginais mes trucs dans la tête, je fais ma lettre sur Word, je me dis, ben, quand le moment viendra, je vais juste l'insérer et puis, ben, c'est bon. J'avais fait une bonne longue lettre de motivation et quand je suis allé sur la plateforme, j'ai d'abord choisi ma formation, c'était une bagarre. Après, je croyais l'aide de motivation, tu glisses juste un fichier. Mais non, il faut écrire sur la plateforme. Donc, c'est très différent avec 2500 caractères ou 2800 caractères à respecter. Donc, du coup, tout ce que j'avais écrit, j'allais trop loin, je racontais ma vie. Or, il fallait que ce soit bien précis et très court et clair. Donc, du coup, c'était vraiment un combat. Il fallait revenir, revoir, resuivre des formations, lettres de motivation. D'où l'importance de chercher des informations sur les différentes pages, comme on a su le mentionner précédemment. Et vraiment prendre son temps d'intégrer votre, on appelle ça quoi, projet d'études et projet professionnel dans votre lettre de motivation. Vous n'avez pas besoin de tout raconter. En une phrase, vous pouvez dire votre projet professionnel, en une autre phrase, votre projet d'études. Vous n'avez pas besoin de dire que non, moi je vais travailler un tel long. Non, non, non. Une petite phrase disant que vous voulez exercer dans le domaine du génie civil en tant qu'ingénieur et peut-être participer au développement des pays africains. Ça, c'était vraiment ma phrase préférée. Participer au développement via la construction. Vous voyez que c'est une seule phrase courte, mais qui définit en gros tout ce que je vais dire dans mon projet professionnel. Donc, c'était vraiment la bagarre, mais on y est arrivé. Et en ce qui concerne les lettres de motivation, on me proposait de faire une pour toutes les universités, mais vraiment, après réflexion, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas l'idéal parce qu'il fallait cibler chaque université pour qu'ils se sentent concernés par la lettre de motivation.
Donc, parmi mes caractères, j'enlève encore quelques caractères pour préciser que c'est pour telle université principalement, pour gagner un peu, pour qu'ils savent que je me suis intéressé à leur université. Je ne suis pas juste venu faire une demande. Donc, il y avait des trucs qui venaient droit des informations que j'ai sur le site de l'université. Donc, quand ils lisent la lettre, ils savent que ça, c'est quelque chose qu'on a mis sur notre site. Ça veut dire que lui, il s'est vraiment intéressé à notre université. Il est parti chercher un certain nombre d'informations, ce qui concerne la formation de laquelle il veut participer, les compétences qu'on est censé acquérir, que j'ai glissé dans la lettre, tout en glissant un peu des trucs propres à chaque université. J'ai glissé mon projet professionnel. Donc, c'est comme on dit, ça prend du temps et ça demande beaucoup d'informations. Il faut vraiment avoir les informations qu'il faut. Donc, c'est un peu ce que je peux dire en ce qui concerne la lettre de motivation. Et après, bon, je pense que Dany, c'est un professionnel dans le domaine. Disons que c'est une lettre qu'on écrit pour dans mon quotidien pour aller en conférence, pour effectuer des stages, pour trouver non, pour trouver donc c'est moi je dirais que votre lettre de motivation en fait vient c'est pour ça qu'on n'a pas parlé du CV, on va parler du CV aujourd'hui. Lettre de motivation vient dire ce que le CV ne dit pas, c'est-à-dire en une page CV que le curriculum vitae. Malheureusement, on ne pourra pas tout dire aujourd'hui, mais voilà, ça aussi, c'est un document que vous devez mettre à l'intérieur de votre panier Campus France. Donc, la lettre de motivation, comment dire, c'est un ensemble de phrases, paragraphes, généralement 3 ou 4. Après, chacun la divise généralement, voilà, pour moi, il n'y a pas de règles standards. Voilà. Sur la chaîne encore, voilà, j'appartiens quand même du pays, sur la chaîne, on fera sûrement une vidéo pour comment diviser sa lettre de motivation. Voilà. Mais ce qu'il en ressort généralement est de répondre à quelques questions. Vous devez vous présenter dans votre lettre de motivation. Je m'appelle Tantantan, actuellement étudiant en Master 1 chimie des matériaux à l'Université de Libreville. Voilà. Je candidate actuellement pour votre formation parce que donc vous devez vous présenter, ça c'est la première chose. Ensuite, dire pourquoi vous avez choisi de continuer vos études, un, en France, puis dans cette université particulière. Effectivement, comme Dorian l'a dit, pour spécifier, pour montrer que vous avez pris des informations, vous devez forcément faire une lettre de motivation. Je sais que c'est pénible, mais vous n'avez que 7 choix, ce n'est pas 50 000. Donc, vous devez spécifier, pour moi, je pense que c'est l'idéal. Faire une lettre de motivation pour chaque université, quitte à ce que vous avez les mêmes projets d'études, vous avez les mêmes projets professionnels, mais pour défendre votre candidature dans chaque université, vous allez écrire quelque chose de spécifique à l'université. Je prends un exemple. Vu que l'année dernière, vous avez obtenu le prix de la meilleure université dans le domaine de l'informatique, de gestion, bien l'informatique de, je sais pas, commerce général, je dis quelque chose de bête, mais quelque chose qui spécifie de l'université et voire même de la formation. C'est-à-dire, en 2007, votre université, vous avez eu un prix Nobel dans le domaine de la physique quantique. Voilà, moi, étant physicien, voilà, j'estime que voilà, quelque chose de particulier à l'université qui prouve que vous avez cherché des informations sur l'université. Autre chose, maintenant la question, demandez-vous aussi qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'université. C'est-à-dire, vous devez garantir à l'université que vous avez des compétences de management, de savoir-vivre, de sociabilité, voilà, des compétences qui vous permettront de vous intégrer à l'université, mais aussi de réussir votre année académique. Parce que ça, c'est très important. Parce que eux aussi, ils ont des statistiques à faire. C'est-à-dire, on ne doit pas avoir voilà, on veut des gens qui vont venir réussir, on veut des gens motivés. Et n'hésitez pas justement à redire dans votre lettre que vous êtes quelqu'un de motivé, de vaillant, voilà, de rigoureux. Et comme Dorian l'a dit, glissez astucieusement votre projet d'études et votre projet professionnel. Vraiment, mon but à court terme, c'est d'obtenir un bac plus 5, l'équivalent d'un master 2 en télécommunication, dans le but de revenir dans mon pays, d'aider mon pays à développer des voies et des moyens de communication sur toute l'étendue du territoire. Quelque chose de bête, quelque chose de simple, ou bien, voilà, mon but c'est de faire ressources humaines, d'avoir un bac plus en ressources humaines, de me perfectionner en ressources humaines, effectuer un stage,
Puis, à la fin de mes études, postuler pour des organisations non gouvernementales afin d'aider mon prochain partout dans le monde. Voilà quelque chose de voilà, le projet est placé. Il est placé, mais il est placé, voilà, on va pas dire projet professionnel, deux points. Projet d'études, deux points. Non, c'est à travers la lecture que vous devez passer le message de voici le projet d'études, voici le projet professionnel. N'hésitez pas à finir votre lettre en saluant la personne qui va lire la lettre, bien sûr, de manière distinguée, en espérant que vous aurez un retour favorable. Tout à l'heure, on a dit deux, j'avais 200, 2500 caractères en comptant les espaces. C'est-à-dire que même l'espace, même l'espace, C'est un c'est un caractère. caractère. Donc, vous voyez que, autre chose, relire votre lettre de motivation par quelqu'un d'autre que vous. Why? Parce qu'il pourra avoir des fautes. Ça fait pas bon. C'est-à-dire, essayer de faire relire votre lettre de motivation par un proche, par un ami. Je sais que c'est compliqué de dire, voilà ma lettre de motivation. Voici ma lettre de motivation pour aller en France. Je sais, c'est compliqué, mais bon, essayez de faire relire votre lettre de motivation par quelqu'un d'autre que vous et évitez de copier-coller. Évitez le copier-coller. C'est-à-dire, j'ai vu une lettre de motivation sur Internet, je fais CTRL-C, CTRL-V, et puis je mets dans mon compte personnel, et puis je dis, j'ai écrit ma lettre de motivation. Non, soyez original. À personnaliser votre lettre de motivation. Il faut que votre lettre de motivation, même si elle ressemble avec les mots, à beaucoup de lettres de motivation, il faut quand même qu'on ressente votre touche parce que votre parcours est unique. C'est-à-dire, vous avez des compétences uniques, vous avez des matières, vous avez des points forts, vous avez des points faibles. Et ces points forts-là, vous devez les mettre dans la lettre de motivation. Et ces points forts-là, 50 personnes n'ont pas les mêmes points forts. Donc, voilà ce que j'aurais à dire sur la lettre de motivation. Si j'ai oublié quelque chose, bien sûr, il y a les commentaires. Et de toute façon, on vous a déjà dit dans la présentation où vous pouvez nous trouver pour continuer la discussion. Je ne sais pas si Dorian avait quelque chose à dire, ajouter sur la lettre de motivation. Tu as été le plus clair possible. Il suffit de mettre ses points forts. Chacun a ses points forts bien définis. Donc, il faut juste savoir les glisser parce que on peut prendre toute une heure pour expliquer la lettre de motivation actuellement. Donc, comme le temps nous est imparti, on va essayer de donner le minimum d'infos. Et si vous avez plus d'infos, ben, on va vous rediriger vers des canaux différents pour pouvoir vous permettre de prendre plus ample connaissance des astuces pour les lettres de motivation. Ok, avant de penser au prochain, peut-être le dernier ou l'avant-dernier, j'ai une question de René Josué qui dit s'il vous plaît, je voudrais que vous nous parliez du décret du 31 mars 2021 relatif à l'emploi des salariés étrangers. Est-il possible que les candidats en master pour une alternance en première année, de la première année, alternance de la première année. Effectivement, depuis le 31 mars, il est dit, il est permis en réalité que l'étudiant qui vient d'arriver sur le territoire français ne doit plus justifier d'un an sur le territoire français pour pouvoir candidater et obtenir un contrat d'alternance. Pour ces étudiants. Voilà, en gros, et là, je vais laisser Dorian le dire en lingala, ça sera peut-être beaucoup plus facile pour vous de comprendre. C'est, ok, vous venez d'arriver en France, votre première année, vous pouvez candidater pour des alternances. Et l'alternance, c'est un programme qui permet à l'étudiant de faire des semaines en entreprise et des semaines à l'université. Effectivement, ce décret autorise les étudiants étrangers à. Ok, vous êtes arrivé en 2021, par exemple, ou bien pour ceux qui vont arriver en 2022, dès l'année 2022, si, du moins s'il n'y a pas un autre décret entre-temps, parce que Entre-temps. ça change beaucoup, s'il n'y a pas un autre décret entre-temps, si vous arrivez en 2022 pour des masters et vous pouvez avoir un contrat d'apprentissage en alternance, même si vous n'avez pas fait un an sur le territoire français. OK, bon, comme l'a dit Dani,
Ce que nous, on n'a pas connu parce que moi, je savais que ce n'était pas possible quand moi, je suis arrivé. Donc, je savais qu'on ne pouvait pas avoir d'alternance. Par contre, c'est maintenant possible pour ceux qui viennent cette année, ceux qui vont venir l'année prochaine. Ou encore, comme il a dit, pour le dire en lingala et très simplement, et ça, le cola, ce qui est poto, au ça, là, n'a aucun de l'école. Donc, les réseaux, ça, là, quand vous foutez, au moment où vous foutez, vous permettez, vous payez, vous foutez à l'école, là. Donc, c'est à peu près ça, le système qu'il y a en place avec l'alternance. Pour faire très bref, plutôt. C'est bien ça. Et c'est pas salarié, c'est bien alternatif. C'est pas, c'est alternant. C'est-à-dire, ça reste des gens. C'est des contrats d'apprentissage par alternance. Donc, c'est pas salarié, c'est des contrats Étudiant d'alternance. alternant. Voilà. Parce que j'ai vu salarié, voilà, on connaît les deux thèmes peuvent être. Faut pas confondre ces deux thèmes. Ok, je vous invite à vraiment. À liker le live, seulement 30 cœurs. Pourquoi? Surtout que ces cœurs, je ne partage pas ces cœurs-là. Voilà. Donc, on like, on partage. Ne gardez pas pour vous. Essayez de contacter voilà, vos groupes, vos différents groupes dans lesquels qui seront intéressés par les procédures Campus France. Je sais que la plupart d'entre vous êtes dans beaucoup de groupes. WhatsApp, Facebook, Telegram et essayer de partager ces différents lives-là. Ok, on arrive à l'un des derniers points de ce live. Oui, je sais, on devait écrire Campus France, tout savoir, première partie, je sais. Mais voilà, mais c'est voilà, pour que il n'y a pas fuite d'informations, il faudrait qu'il soit précis et le live soit à conseil. Ok, de manière générale, Dorian, s'il fallait donner donc des conseils, des astuces ou des remarques, utilise le terme que tu veux, pour ceux-là qui, depuis le 1er octobre, ont débuté la procédure Campus France. À noter que nous sommes le 14 novembre, donc ça fait 6 semaines. Plus de mois. Ah oui, ah, ça fait 6 semaines. Et généralement, la plupart ils sont en train de créer le compte. Ils créent les comptes, ils remplissent les informations personnelles, ils font les choix des universités, puis ils rédigent les lettres de motivation, ils font les CV. Les plus rapides ils ont soumis les dossiers. Donc, sur cette partie, donc je reste vraiment sur cette, je canalise bien ma question ou bien cette partie, parce que c'est pour ça qu'on a traité exclusivement cette partie. Bon, pour la partie création de compte, voilà, il y a des tutos, voilà, ça peut se régler facilement. Mais sur cette partie, s'il fallait donner des conseils et des astuces, voire même des remarques pour cette partie de la procédure Campus France, que dirais-tu? Bon, j'étais perdu un moment, mais bon, je pense que j'ai compris la question. Bon, pour ceux qui sont en pleine procédure Campus France, ceux qui ont ouvert les comptes, ceux qui sont déjà avancés, la première chose que je vais dire, c'est que on se connaît, hein, quand on ouvre le compte. Ça ne sert à rien de cacher que vous voulez aller poursuivre vos études en France. Premièrement, surtout auprès de ceux qui ont déjà fait la procédure ou bien ceux qui font la procédure avec vous. Ça vous aiderait beaucoup à travailler ensemble parce que moi je sais que je le faisais avec une autre personne qui faisait la procédure et ça m'a beaucoup aidé. Des fois, c'est lui qui m'apportait des informations que je n'avais pas et vice versa. C'est la première des choses qu'il faut savoir. Et puis, deuxième des choses qui vont un peu en relation, la recherche d'informations. Ne vous dites surtout pas que vous avez la connaissance absolue de comment se passe la procédure Campus France. Détrompez-vous. En France, ici, les lois se votent chaque 2 jours. Donc, peut-être ce que vous croyez comprendre l'année dernière n'est plus valable cette année. Donc, il faut toujours aller à la recherche de l'information. Cela vous permettra au fait d'aller directement à la solution, au lieu de toucher de gauche à droite. Et pour cela, il y a beaucoup de canaux où vous pouvez partir chercher des informations, d'autres Campus France, des chaînes YouTube, Loin du pays, beaucoup de choses. Et l'autre point que je vais aborder, c'est en ce qui concerne, comme on l'a dit, globalement. Le choix des formations aussi, c'est le même discours. Donc, vous devez faire très attention à comment vous allez choisir vos formations. Ne vous précipitez surtout pas.
C'est pas les premiers arrivés, les premiers servis. Ça ne se passe pas comme ça. Moi, j'ai postulé le dernier jour de la procédure. Donc, j'avais pris largement mon temps pour faire mon choix. Le dernier jour, on a clôturé, là, c'est le jour où je suis parti. Donc, c'est pas les premiers servis, les premiers arrivés, les premiers servis. Donc, prenez votre temps de comprendre la procédure de telle sorte que vous postulez de la façon la plus optimale possible. Donc, c'est ce que je peux dire en gros. C'est exactement de, je vais pas dire, c'est exactement ça qui est la question parce que il faut absolument postuler, mais bien postuler. Donc, pour moi, c'est l'information. On s'est beaucoup attardé sur le choix des universités parce qu'on est dans cette phase-là. Et le but de cette live était justement de répondre à ces questions de, OK, est-ce que c'est quoi Campus France? Où effectuer, comment faire sa procédure et c'est quoi le projet professionnel, c'est quoi le projet d'études, notion de lettre de motivation, notion de, voilà, c'est un live, c'est pas, on pourra pas, voilà, on pourra pas, voilà, on pourra pas tout faire dans un espace assez restreint d'une heure trente comme était fixé dans ce live. Mais pour moi, le conseil majeur que je vais donner aux candidats qui regardent ce live, c'est de ne pas rester seul et de faire cette procédure toute seule. Pour moi, il y a un proverbe qui dit, si tu pars seul, tu pars plus vite, mais si tu pars en groupe, tu pars plus loin. Donc, c'est une procédure qui est assez difficile et je vous invite à vraiment chercher, je me répète, mais c'est important, mais chercher la bonne information. Pour vos choix d'université, restez cohérent avec vous-même. C'est-à-dire, voilà, regardez vos notes. Regardez vos notes et regardez là où vous voulez postuler. C'est vraiment important. Parce que après, on a des refus et on se dit, OK, j'ai des refus parce que la France ne m'aime pas, parce qu'on prend beaucoup plus tel pays par rapport à tel pays, ah, parce qu'on n'a pas répondu plus vite, non. Donc, restez cohérent avec vous-même et avec vos notes et où vous sentez et quand vous regardez les prérequis, non. Ici, je ne respecte pas les prérequis, donc je ne postule pas. Chaque choix doit être une mine d'or. Voilà, c'est une mine d'or, chaque choix. On a eu tout à l'heure en commentaire que j'ai choisi un seul choix de formation. Pourquoi? C'est dommage. Vous pouvez pas avoir sept choix et vous choisissiez un seul. C'est vraiment dommage. Surtout que les choix sont limités et c'est déjà sept, c'est petit. Ah, quand je postulais à Campus France, il y en avait 15. Voilà, maintenant, il y en a sept. Donc, oui, 15. 15. Voilà, on choisissait et ce qui faisait qu'il y avait. Voilà, il y avait du choix, mais maintenant il n'y en a plus. Bon, je ne sais pas si dans l'avenir on va encore réduire, mais ça vous dit que c'est déjà assez compliqué comme ça, donc ne vous compliquez pas plus la tâche en choisissant, voilà, choisissez les sept établissements, faites des bons choix et absolument essayez d'avoir une lettre de motivation sans faute. Donc voilà un peu ce qu'on tenait à dire pour la procédure Campus France, où faire la procédure Campus France, comment faire la procédure Campus France, quels sont les premiers pas dans la procédure Campus France. Bien sûr, on reviendra sûrement avec l'entretien Campus France, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment on la prépare, qu'est-ce qu'on fait après l'entretien. Bref, toutes ces questions sûrement, on reviendra. On va revenir sur ces autres questions dans un prochain live. Ok, Dorian, une remarque, un mot de fin, une phrase de clôture pour ce live. Oui, j'ai quand même quelque chose à dire à la fin. Premièrement, comme on a su le mentionner durant le live, on remercie Studeli de nous avoir permis de faire ce live par le biais de leurs canaux, leur page Facebook Studeli Cameroun. Et je tiens à préciser, moi personnellement, je suis passé par Studeli pour arriver en France et
énormément aidé, je ne saurais pas parce que j'aurais sûrement pu me perdre quelque part dans la suite de ma procédure. Genre, après l'obtention d'école, ça s'arrête pas là, il y a d'autres trucs. Et c'est là qu'intervient globalement Studélié. Ils m'ont énormément aidé pour le logement, les comptes bloqués. Je ne me suis vraiment pas cassé la tête à comprendre un certain nombre de trucs dans ce domaine parce que cette structure était présente. Et je remercie aussi des gens qui ont la volonté d'aider leurs frères et leurs collègues qui se trouvent en Afrique et qui viennent pour, on appelle ça quoi, poursuivre les études en France, des pages comme Loin du pays où on vous explique parce que on n'a pas forcément tous la chance comme moi de connaître des gens qui sont venus en France et qui sont ouverts à vous expliquer parce que sans vous mentir, en France, les gens sont hyper occupés. Et si vous voyez quelqu'un prendre son temps pour vous expliquer la procédure, ce n'est vraiment pas donné. Parce que c'est du temps qui coûte vraiment. Donc, c'est à peu près ce que je veux dire. Et on like. Moi aussi, je vais un peu dire la phrase, ça a l'air intéressant. Donc, on like, on partage la vidéo à d'autres personnes qui n'ont pas peut-être pu suivre. Je suppose que le live restera sur la chaîne, qui peut venir suivre et avoir un peu de notre expérience. Et peut-être que ça les aiderait bien à avancer dans leur procédure. En gros, c'est ce que je veux dire comme mot de fin. Et merci beaucoup, Dani, que j'ai connu par leur page, bien sûr, Loin du pays. Merci beaucoup à Studélié qui m'a aidé dans ma procédure et mes premiers pas en France parce que c'est vraiment, ils m'ont vraiment aidé. Ça, il n'y a rien à dire, quoi. Durant mes premiers pas en France, ils m'ont aidé. S'ils n'avaient pas bloqué mon argent, je ne sais pas tout ce que j'aurais pu avoir comme mot de tête. Et merci pour tout et merci pour ce live. Merci Dorian, merci. Pour le cas de Studélié, effectivement, quand moi, je t'ai déjà fait la procédure depuis 3 ans, à l'époque, justement, parce que je suis aussi un enfant, un étudiant de Studélié, à l'époque, il faisait rien que, oui, je vais dire rien que, il faisait l'AVI, c'est-à-dire l'attestation de virement irrévocable, la caution. Et maintenant, ils aident les étudiants à avoir des logements, c'est-à-dire dans la ville dans laquelle tu as l'admission et tu vas aller fréquenter avant de déposer ton visa. Voilà, il y a possibilité de passer par le logement, il y a possibilité d'ouvrir son compte bancaire étant déjà dans ton pays d'origine, il y a la possibilité de faire déjà ton assurance, l'assurance de voyage, voire même, c'est vraiment déjà, ça dépasse, voilà, c'est-à-dire c'est déjà vraiment un accompagnement vers la procédure consulaire à travers différents services qu'ils proposent qui permettent vraiment à l'étudiant de, voilà, d'être accompagné. Je ne dis pas, je ne parle non plus des conseils et des astuces qu'ils donnent dans le cadre de la procédure consulaire. Voilà, c'est, nous remercions vraiment, je m'associe au remerciement de Dorian pour remercier Jelly voilà, de nous avoir donné une vitrine pour pouvoir parler à beaucoup plus d'étudiants et de pouvoir communiquer sur la procédure Campus France. Je remercie Bosseur Will, je remercie tous ceux-là qui ont participé dans le live, Alain Toto, Mohamed, je remercie Alexandre Gonod, je remercie Destine, je remercie tous ceux-là qui ont pris de leur temps pour écouter ce live, qui ont partagé. Je sais qu'on n'a pas. Je vais répondre aux questions qui sont dans le live et on pourra sûrement continuer cette discussion en commentaire. Donc, merci d'avoir participé. Merci d'avoir participé. Et on se donne rendez-vous au prochain live sur cette page concernant la procédure Campus France. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.